Chers amis, bienvenue à cette nouvelle semaine d'étude en ce qui concerne la leçon donc, de l'école du sabbat. Que la paix du Seigneur repose sur chacun d'entre vous et que nous puissions vivre une très belle semaine sur son Égypte bénie. Merci à vous d'être là et que sa paix repose sur vous. Notre sujet de la semaine, ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Notre verset mémorisé, le psaume 57, 10 et 11. Je te célébrerai parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta miséricorde est grande jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, une nouvelle semaine d'études s'ouvre devant nous. Et nous te remercions parce que tu en es à l'origine et tu nous gardes, tu nous bénis, tu nous prépares. Et je sais que tu as des choses merveilleuses à nous révéler. Prépare donc nos cœurs à te recevoir et à recevoir donc tout ce que tu auras à nous dire. Mais tout ce que tu auras fait aussi dans notre vie, nous te remercions, Jésus, pour ta gloire. Amen. Chers amis, les psalmistes se rendent compte qu'ils sont spirituellement pauvres et n'ont rien de bon à offrir à Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien en eux-mêmes qui puisse les recommander devant le saint trône de Dieu. Dans le psaume 40 verset 17, il est dit :« Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu. Viens vite. » Donc les psalmistes comprennent qu'ils ont besoin, comme nous tous, de la grâce, la grâce de Dieu. En bref, ils ont besoin de l'évangile. Les psaumes soulignent le fait que l'homme est entièrement dépendant de la miséricorde de Dieu. Heureusement, la miséricorde de Dieu est éternelle, comme en témoigne la création de Dieu et l'histoire de son peuple. Devant le Dieu éternel, la vie humaine est aussi éphémère que l'herbe. Mais Dieu a pitié des hommes et renouvelle leurs forces, et en lui ils ont la promesse de l'éternité. Le peuple de Dieu est réconforté par le fait que l'éternel est fidèle à son alliance. Les appels du peuple, même s'ils sont parfois pressants, sont souvent remplis d'espoir parce qu'ils s'adressent à leur Père céleste compatissant. De nouvelles expériences de la grâce et l'amour de Dieu renforcent leur détermination à adorer et à servir Dieu seul. Nous verrons cette semaine que la miséricorde est définie comme la compassion ou le pardon manifesté envers quelqu'un dont on a le pouvoir de punir ou de blesser. Les exemples scripturaires fournis ci-dessus reflètent cette définition. La miséricorde est un mot merveilleux qui inspire à l'esprit humain espoir et motivation. Quiconque subit les conséquences de mauvaises décisions sent le poids écrasant de la culpabilité se dissiper lorsqu'on lui montre la miséricorde et la grâce. Lorsqu'un délai est prolongé, aucune dette est remise. Nous ressentons un soulagement et une gratitude extraordinaire face à la miséricorde. Cette semaine, nous allons découvrir aussi la miséricorde du Créateur telle qu'elle est révélée dans les six psaumes différents que nous allons étudier. Nous verrons que dans les psaumes, la miséricorde est décrite dans sa plus grande manifestation, la miséricorde du Saint envers le pécheur la miséricorde d'un Dieu prêt à pardonner et à racheter en raison de sa grâce. Lorsque nous lisons ces six psaumes dans l'hébreu original, nous découvrons que le psalmistes avait utilisé quatre mots hébreux différents pour désigner ce que nous appelons miséricorde. Comprendre ces quatre mots et leur implication nous permettra de mieux comprendre l'amour de Dieu. En examinant ces termes hébreux, pensons à la manière dont les perspectives qu'ils nous offrent Renforce notre conception personnelle sur la miséricorde. La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier. La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père en tous ses enfants. Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l'homme, ce qui provoque en lui une attention quasi maternelle. L'homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l'étroitesse de sa vie. Face à à nos difficultés à aimer et à pardonner. Dieu lui-même vient combler nos manques et restaurer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. Miséricorde en latin, c'est le mot misérie qui veut dire les pauvres et corps veut dire le cœur. Donc miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres. La miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres, les personnes vulnérables. La miséricorde, c'est la compassion pour toutes les formes de souffrance. C'est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion. C'est le pardon généreux envers qui se reprend. C'est le cœur qui souffre devant la misère du prochain. Cette semaine, nous irons plus en profondeur sur la miséricorde de Dieu. Nous aurons cette semaine trois questions clés. Si Dieu peut pardonner à David l'adultère, la tromperie et le meurtre, quel espoir existe-t-il pour vous Deuxièmement, où en seriez-vous si l'Éternel gardait le souvenir de vos iniquités? Et troisièmement, comment concilier le pardon de nos péchés par Dieu avec l'idée du jugement de Dieu du péché? Que le Seigneur nous prépare déjà pour ces trois questions, mais aussi les autres questions que nous aurons l'occasion de voir cette semaine. Voyons maintenant ensemble le plan de la leçon de cette semaine. Dimanche, nous verrons sa miséricorde dura toujours. La miséricorde de Dieu dans la création et dans l'histoire devrait inciter son peuple à lui faire confiance et à rester fidèle à son alliance. Lundi, crée en moi un cœur pur. Nous verrons que le pardon est un don extraordinaire de la grâce de Dieu, le résultat de sa grande miséricorde. Mardi, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, il est remarquable de noter que c'est la volonté de Dieu de pardonner les péchés et non de punir ceux qui les ont commis ce qui inspire la révérence envers lui. Mais quoi dit l'orange au Dieu majestueux et miséricordieux La miséricorde de l'éternel se manifeste dans son empressement à s'impliquer dans le monde et à sauver les nécessiteux et les pauvres de leurs difficultés. Je dis, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout comme Dieu se souvient des promesses qu'il a faites au peuple, le peuple doit se souvenir de la fidélité de Dieu et lui répondre par l'amour et l'obéissance. Vendredi, nous verrons que ne pas louer Dieu, c'est oublier tous ses bienfaits, c'est ne pas apprécier ses dons. Seuls ceux qui louent n'oublient pas. La louange commence lorsque l'on reconnaît la majesté, et les œuvres de Dieu et que l'on répond par l'adoration de sa bonté, de sa miséricorde et de sa sagesse. Nous verrons ainsi les questions du vendredi et la conclusion. Nous disons donc merci déjà au Seigneur. En conclusion, chers amis, nous verrons cette semaine que l'Éternel montre sa compassion aux pécheurs qui le déçoivent. Et bien que nous ne méritons pas sa miséricorde, il nous relève par sa grâce et nous rétablit dans sa faveur. La miséricorde de Dieu signifie une compassion chaleureuse, une compassion qui va jusqu'au bout, qui est prête à pardonner le péché, à remplacer le jugement par la grâce. Amen, amen. Nous prions, notre Père, merci pour cette belle introduction. Et merci d'ouvrir déjà notre cœur parce que nous allons parler de ta miséricorde, de ta compassion en fait, de ton amour, de ce que tu es même. Alors Père éternel, que tu puisses nous préparer à expérimenter la puissance de ta compassion, de ta miséricorde, de ton amour et que nous puissions toucher du doigt la réalité de ce que tu es. Merci de nous bénir et de bénir cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.